What's up les potes Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle arme qui va arriver certainement dès demain sur Fortnite. Cette arme a été annoncée par Epic Games directement via le menu du jeu. Vous le voyez, il s'appellera en français le fusil à pompe lourd. En anglais, ce sera directement le EV Shotgun. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà un petit chanceux qui a réussi à l'avoir. Alors je ne sais pas si c'est le seul, peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. En tout cas, voilà, certaines personnes ont réussi à avoir ce fusil à pompe. Avant de vous montrer le gameplay, j'ai récupéré un gameplay. Je vous mettrai également le, le lien de la chaîne de la personne qui a pu jouer avec directement en description de cette vidéo. Je tenais à vous parler tout d'abord de ce fusil à pompe. Il faut savoir que vous aurez l'occasion de le trouver en deux niveaux de rareté, donc en épique et en légendaire, donc en violet et en jaune directement. Et je voulais également vous parler de ses stats parce que oui, ça peut faire peur. Ce fusil à pompe, vous le voyez, il est annoncé avec une... Portée augmentée et ça peut faire très peur quand on voit par exemple ce que peut donner le fusil de chasse, le fusil à pompe de chasse pardon déjà dans un premier temps. Du coup je me suis rendu directement sur un site qui s'appelle Storm Chill One. Voilà je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mets également le lien en description de cette vidéo. En fait dans ce site vous allez directement retrouver toutes les armes avec euh, différentes petites euh, perques Voilà donc là notamment euh, par exemple pour le shotgun vous pouvez voir que en termes de dégâts pour un fusil à pompe tactique donc le vert il fait 6,7, le bleu il fait 7 et le violet il fait 7,4 de dégâts. Ce fusil à pompe est annoncé donc en épique à 14,7 de dégâts et en légendaire à 15,4 de dégâts. On peut le comparer également, vous voyez au fusil à pompe de chasse qui fait donc 9 de dégâts. Donc voilà pour, pour le classique et directement pour celui qui est rare, le euh, 9,5 le commun pardon le 9,5 voilà, de dégâts. Donc vous le voyez, le nouveau fusil à pompe risque de faire vraiment euh, de très 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 gros dégâts. A côté, on a directement la cadence. Donc vous voyez, le, 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 tactique, le fusil à pompe tactique fait à une cadence pardon, de 1,5. Pour le pompe de chasse, on est à 0,7. Et bien vous voyez que pour le, le fusil à pompe lourd, on est directement à 1 de cadence. Donc c'est entre les deux, c'est plus que le fusil à pompe de chasse. Donc la cadence par rapport aux dégâts est quand même assez importante également. Et enfin, vous allez également avoir le temps de, de rechargement sur la fin. Voilà. Et également euh, la taille du chargeur. Donc il y aura 7 balles dans le chargeur de cette arme. Voilà. Alors cette arme, déjà, au vu des, des stats, elle fait vraiment très peur. Euh, ça me fait un petit peu peur, franchement, puisque vous allez voir le gameplay également qui va arriver après. Euh, on nous dit qu'elle est intéressante. À portée augmentée, mais voilà, je pense qu'à courte portée, elle sera également très très efficace. Alors, je vous montre également le gameplay. Je vous l'ai dit, voilà, il y a un gameplay qui avait fuité. Il vient directement donc d'un anglophone qui s'appelle Reason. Il a réussi à l'avoir directement sur PlayStation. Voilà, donc vous le voyez, il était directement à la fin de sa petite partie à lui et directement il va ouvrir un coffre. Donc, je crois qu'il est aux alentours de Anarchy. Il ouvre un coffre et il va récupérer directement le fusil à pompe lourde. Epic, voilà, donc voilà, il va le poser Il va l'essayer un petit peu, vous allez voir un petit peu Plus tard, il va tuer un ennemi Avec, voilà, je vous montre également sur le gameplay Il va tuer un ennemi avec, il va le tuer En 3 balles, alors il a tiré 4 balles, la première Elle a pas touché, la deuxième, j'ai eu du mal à voir Le nombre de dégâts, elle est à 17, il me semble La suivante est à 87 Et la dernière, même chose, euh, j'ai eu du mal à voir Le nombre de dégâts, en tout cas, c'est vrai Qu'elle a l'air de faire vraiment très 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 mal euh, J'aime beaucoup le skin, mais Franchement, ça me fait très peur, alors On sait que Epic Games, ils font bien les choses, généralement quand une arme est abusée, ils vont la patcher d'ailleurs ou inversement si une arme est assez peu utilisée, ils vont faire en sorte que voilà, l'arme devienne plus intéressante. Vraiment si cette arme est abusée, je pense qu'il y aura un correctif très rapidement qui va arriver en tout cas sur ce fusil à pompe. Toujours est-il que dans un premier temps, voilà, moi il me fait un petit peu peur. Bon, ensuite, il faut quand même se dire qu'au niveau rareté, il devrait être assez compliqué à récupérer. On sait hein, maintenant, il y a quand même pas mal d'armes au niveau euh, épique et légendaire qui tombent dans le jeu. Donc avant de le toucher, je pense qu'il va quand même falloir ouvrir un paquet de coffres ou. Euh, évidemment, de colis, puisqu'il sera également disponible dans les colis. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous voyez le petit gameplay euh, assez sympathique. Franchement, il fait vraiment très mal. Il a une sacrée portée. Euh, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans l'espace des commentaires, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!